Save OD, retour de Denise. Alors je mets épisode 6 dans le titre et tout, mais en vrai sur YouTube ce sera différent. Ce sera découpé en plus petites parties. Bref, sixième live sur Red Dead Redemption 2 RP. Et c'est parti, on est à Blackwater. J'ai pas remarqué ça. Est-ce que j'ai à manger sur moi? De toute façon on va en acheter. Ah, j'ai des télégrammes, faudrait que j'aille chercher, faudrait que j'aille voir un peu mes télégrammes, je pense que j'en ai. Bonsoir Billy. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va toujours quand je vois ta bouille. Ok. Des pâtes au lard. Des pâtes au lard, ça a pas l'air cher dis donc. Moi j'aime bien quand c'est pas cher. Et du riz Hamilton. French fries, tomates farcies. Franchement, je vais regarder les pâtes au lard. On va goûter ça. On va voir. Alors, je me rappelle un peu les touches. Je vais voir où aller ma faim. Ok, on va tester. Toujours avec un geste chelou. Ça me met quoi? Ça me met un tiers à peu près. Je vais jeter mon assiette ici. Voilà. Et sinon, ça jette par terre partout et j'aime pas. Ok, ça donne pas tant que ça. Donc je vais prendre un truc mieux. Je vais prendre du coup le lapin au vin rouge. Je vais en prendre deux. Trois même. Voilà, comme ça je suis paré. Allez, salut Billy. À la revoyure. Bijoux. Bijoux. Et voilà, bijoux. Oula, il y a drôlement du monde là-bas. Doudou, bijoux. Elle arrive à défraîchir. Mais arrêtez là! Regardez-moi cette belle dame! Respectez la dame. Respect the lady. Elle est où la poste? Elle est pas là. Ah, elle est derrière. On va aller voir nos télégrammes parce que je pense qu'on en a quelques-uns. Je vais me connecter hier, mais trop fatiguée. Bon, j'avais dit que je me connecterais en fin de semaine, j'avais pas dit quand. On est en fin de semaine encore. Ça va, je suis bien détend. Alors, il va falloir qu'on voit des trucs. Il y a quelqu'un derrière. Hop. De toute façon, moi, je vois mes télégrammes. Si on croise du monde, c'est bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous disponible, Miss Duval? Oui. Mais quand? S'il n'y a pas de jour ni d'heure, c'est pas des... Mais pas sur WhatsApp, quoi. Je sais pas s'il m'a envoyé ce message hier, avant-hier ou aujourd'hui. Il n'y a pas écrit. Oh merde. Amy. Hop là. Dark. Mesdames. Bonsoir. Ah, bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, on offre des repas gratuits si vous voulez en ce moment. Oh, où ça?
Oui, on offre à des civils qui en ont besoin. C'est une donation de repas. On est juste à côté du marché. Oh bah d'accord, bah je vais passer vous voir alors. Voilà, et on vous donne un repas gratuit. Oh bah c'est une très bonne idée ça. Oui, on offre... C'est pas empoisonné des... hein. Non, 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 on a des civils, on est là pour aider... Ils sont dans le besoin. Oh d'accord, bah très bien, bah je vais passer après alors. Ça marche, j'envoie mon petit télégramme. De même, de même. Alors, on va faire un Stark. Chou, à Blackwater. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Vous m'entendez? Tout à fait, tout à fait. Ah, vous ai dit à tout de suite. Oui, on offre des repas gratuits actuellement. On est du côté du marché. On fait une donation de repas pour tout civil qui travaille honnêtement et pour les aider. Donc, si vous avez besoin, on est à côté du marché. On vous attend et ça nous fera un plaisir de vous faire goûter notre nouveauté. On n'a jamais des gens qui m'envoient des trucs alors que je sais pas lire. Je sais pas lire. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Ni lire ni écrire. Voilà. Ah, on envoie un petit dessin sinon. De vraiment faire. Mais tu peux pas demander à la dame quand elle lit ? Moi j'ai pas envie. Mais non, mais la dame au guéffé. Mais j'ai pas envie. Ah bah non plus, ok, d'accord. Parce que j'en préviens tous qu'il faut jamais m'en envoyer parce que ça va être compliqué. Ah moi ça m'en va tout le temps. Oui, si vous avez même des soucis, on vous loge gratuitement. Et on fait attention à vous là-bas. Marche, allez, bon courage à vous, madame. Hop là. Oula. Oui, j'ai eu Ah, vous êtes drôlement souple, vous Faut que je lui envoie quoi, du coup, au monsieur? Dis-lui au salon de Templewood, rendez-vous 23h30. Je suis... Flex ou pas? venez approcher, soyez pas timide, venez approcher. Et venez entendre le talentueux parler de Nett, un grand artiste en devenir bientôt célèbre à travers le monde entier. Venez, je vous en prie, venez écouter ne serait-ce qu'une chanson et ensuite ce sera à votre bon cœur. N'oubliez pas, la vie d'artiste n'est pas facile. Notre seule source de revenus, ce sont ces petites représentations et votre générosité. Approchez, messieurs dames. Ah ok, j'ai une petite chanson pour vous, comment ça? Il se passe plein de trucs là, on va aller voir, attendez. Un petit message pour voir si je suis réconflexe, il est trop marrant. Il a bien un circonflexe prospère. Ça ressemble un peu à ça. Oh putain, j'ai pas de... Ah voilà. Oh punaise, vite! J'ai envie de voir. Non mais ça c'est la musique c'est la musique du jeu ça, enfin c'est pas lui qui chante je pense. Vous avez bien réconflexe sur votre nom. J'ai un peu peur là. Ouais, j'avoue que je sais pas. Ouais, non, mais. C'est pas très. La 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 la. On s'en va, ça. Je m'éloigne, moi. Je vais avoir des soucis, moi. Je vais m'éloigner. Attendez. Voilà.
Ah là là. Oh là, doudou, bijou, doudou. Oui. Il faut aller écouter la chanson là, allez. Non, je préfère pas. Pourquoi ? Parce que je peux avoir des problèmes de... des petits problèmes. Avec qui ? Si j'écoute la musique. Ah bon ? Oui, mes oreilles, elles ne tolèrent pas la musique qui n'est pas libre de droit, comme on dit. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Voilà. Allez, allez. Bon vent. Merci. Allez. Putain, j'avais pas pensé. Oh là là. Oh bordel. Ouais non, c'est risqué, je vais m'éloigner. Ah c'est tristoun, mais c'est la vie. Hein. En plus c'est ici le resto là, je crois. On se fait. Bonne excuse GG. J'ai dû quasiment donner la raison, la vraie raison, mais bon. Écoutez, hein, il avait pas compris, j'ai pas envie de paraître désagréable non plus, je veux qu'il comprenne que voilà. Qu'en vrai, en vrai j'écoute très bien. Le problème c'est que le marché, bah, on était à côté je crois. Les plantes des fois elles font des moves chelous. Hein. On dirait qu'elles sont hantées les plantes. Les plantes hantées. Et vous savez. Je lui ai dit c'est le même. Il a compris, ouais c'est ça. Le marché, bah ouais, le marché en fait c'était là où on était quasiment. Ah non, c'est là-bas. Il n'y aura peut-être pas de soucis de musique alors. On va voir. Oh là là. Bon, en vrai. Ouais, non, ben non. Je vais dire en vrai, je pense que j'en sais pas grand chose, mais j'en sais rien. Et ici, vous pensez ? Bon, ça c'est le coiffeur, ça. Ah, c'est la bijou. Alors, il y a un resto ici. Ah bon. Bonsoir. Faut pas bien poli, cela. La VOD sera strike. Oui, mais la VOD, je m'en fous. Je l'ai démonétisé. Je monétise rien sur ma chaîne. Hein. Et je vous garantis que si vous avez des pubs, c'est pas moi qui les mets. Hein. Sur YouTube. Bon, sur Twitch. Pareil aussi, Twitch Festive. Non. Et que pour les rediffs, quoi. Hein. Pas mince. Bah, c'est où ? À côté du marché, hein. On est bien au marché là, hein. Près du marché. Ah, est-ce que ça va? Non. Il y a un théâtre ici, mais oui, on en avait parlé la dernière fois, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un théâtre. Un restaurant, mais c'est là, tout simplement. Oh bah c'est fermé. Bonsoir madame. Ah c'est une commère. Très bien. Métier d'avenir ça. Un jour, on fera une plateforme où il y aura que ça. Mmh.
qui vois-je là? Ah bah tiens. Miss Denise. Ah tout à fait. Bah très bien, et vous donc? Ah bah ça va très bien. Dites-moi, vous saviez que les personnes derrière moi offraient des repas gratuits? Ah bah justement, je comptais y aller, mais j'attendais que la musique se calme. Ah. C'est là-bas, madame, qu'on attend, qu'on donne des repas gratuits au niveau de la charrette. Ah oui, besoin, c'est là-bas où il y a de la musique où il y a toujours... Oui, voilà, où c'est qu'il y a les deux là, qui font les fous là. Ils ont les repas gratuits là-bas. Mais mes oreilles aiment pas trop ce genre de musique. Ah, d'accord, eh ben, pas de soucis. Mais non, j'ai des petits soucis après. Je comprends tout à fait. Et bah, bon courage. Merci beaucoup. Je crois que pour la musique. Je préfère rester loin d'elle quoi. J'ai moins de problèmes. Et sinon, votre charge de travail, comment se passe-t-elle? Oh bah là, pour le moment, je viens tout juste de revenir, donc bon, pas grand-chose à dire, même si on avait une petite idée de lancement de Prosper avec qui j'étais la dernière fois en politique. Je voudrais voir un petit peu où il en est. Le problème, c'est que ça sera impossible de gagner ici. Oh, ici peut-être bien, mais... Nous pouvons monter un parti politique. Et ben vous savez quoi, je pensais à quelque chose dans le genre. Parce que là, voilà. Ouais, on peut faire ça. Alors c'est un tonneau. Et il avait l'air très emballé. Oui, on était nombreux à être derrière lui. Une personne comme ça, suffit de savoir lui parler et puis c'est bon. Oh mais il est plus futé qu'il en a l'air. Hein. Il est surtout extrêmement sympathique. Et il est très sympathique. Et les gens l'aiment beaucoup. Oui. Et ça c'est bien. Et ça c'est ce qu'on cherche. Et ça c'est ce qu'il veut. Donc bon, je me demandais s'il était dans le coin ce soir là. Ah, envoyé un petit télégramme. Vous l'avez pas croisé? Non, je ne l'ai pas croisé depuis la soirée au saloon. Mm-hmm. Et vous alors, vous avez fait quoi depuis? Eh ben depuis, j'ai monté des projets. Ça s'est cassé la gueule. Ah c'est. C'est l'histoire de la vie ici hein. Mais c'est bien l'ambition, c'est important. Non, soyez ambitieux. Et là, justement, j'ai rendez-vous pour du travail. Ah! Je vous tiendrai informé si vous voulez. Bah, dites-moi tout à fait. Tout à fait, bah, moi, le côté politique me plaît bien. Moi. C'est avec les monsieur qui offrent les repas gratuits. Ah oui, d'accord. Moi, ils proposeraient du travail pour les honnêtes citoyens. Pour les honnêtes citoyens. Mais est-ce que ce sera bien intéressant, du coup? Ah, bah, écoutez, c'est payé. C'est payé. C'est déjà ça. Ça, c'est une bonne chose. En même temps, pour un travail, ce serait un petit peu handicapant que ça ne le soit pas. Ah bah, ça serait de l'esclavage. Voilà. Ces temps-là sont révolus. Ce serait... Oui, ou ce serait un stage. C'est pas révolu, c'est ça. Ce que je dis, de l'esclavage. Et vous savez en quoi ça va consister ou pas du tout? Ils vous ont pas encore dit? Absolument pas. D'accord. Et bah effectivement, tenez-moi au courant. J'attends un petit peu que ça se calme la folie là-bas pour pouvoir avancer. Je crois que ça se calmera pas. On va faire un petit détour alors, c'est pas bien grave. Bon, en tout cas vous me direz oui. Moi je suis à une bonne partie de la soirée donc... Pareillement. Ok, bon parfait alors. De toute façon on se recroise après. Je vais surveiller mes télégrammes de près donc vous inquiétez pas, j'irai régulièrement. C'est ça, et on parlera partie autour d'une bonne bière. Ah bah avec plaisir, tiens, c'est une bonne idée. Ils vendent des pastagas. Ah bah j'ai de la vodka si vous voulez. Ah, de la vodka. La vodka était pas mal, mais le whisky était un petit peu mieux. De la vodka des neiges. Ah non, c'était une autre. J'avais goûté. Et du coup, bah quand vous êtes prêts, on se rejoint là-bas, monsieur. Tout de suite. Très bien. Ensuite. À plus tard. Eh bien, à tout à l'heure alors. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est qui m'a dit bonsoir? Au plaisir, c'est quoi votre nom? Le monde ce soir, dis donc. Oh, mais c'est pas bijou ça! Excuse-moi, je t'ai pris pour mon cheval. C'est fort joli aussi, dis-moi. Mais je fais bien de m'éloigner pour l'appeler. Parce que vous avez vu comment elle arrive? Que tu es stressé, ma pauvre. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits points d'exclamation pour le Bloody. Mais oui, je suis sur Red Dead Redemption Online sur un serveur privé RP. Hop là. Petit point d'exclamation.
Elle est venue du bateau là. Bah écoutez, bijoux, c'est nager hein, les mecs. Hein. Sinon, comment je. Oh, elle a une position rigolote. Comment pourrait-elle traverser des ruisseaux? Non, non, non! Merde, je lui ai dit de fuir! Attends! Bijoux! Merde. Attendez. Je lui ai dit de fuir, donc on va se remettre là-bas et puis on va la rappeler. Ah, mais c'est bon! Merci! Merci. Voilà. Calme-toi, bijou. Et j'ai fait G. En fait, je voulais la caresser. Et j'ai fait F et ça l'a fait fuir. C'est juste à côté. Elle part sans toi aussi parce que j'ai fait F. F, c'est faire fuir. Mais vu que G c'est juste à côté, je voulais juste la caresser, j'ai pas fait gaffe, j'ai appuyé sur la touche d'à côté. Tout simplement quoi. Fais ton RP, c'est Modo qui fait... Oui c'est vrai. C'est Modo qui font. Parce que les Modo ils sachent. Ouais ça m'assure pas deux, c'est... Non, je suis douée. Je suis juste débutante. Merde. Et ben voilà! Comme quoi j'avais oublié de faire un truc! Attendez, on va se poser quelque part et je vais mute les alertes. Bordel! Hop! Super! Ça, c'est des gens, je crois. Hein. Alors, si je mute ça. Attendez, faut refaire. Je vais refaire tout de suite. Vous m'entendez là? Ah oui, on entend tout. David, côté neuf. Voilà. N'hésitez pas à retester un vite. Non, vous non, je peux le faire. Attendez, pourquoi je vous demande? Je vais. Une alerte farte en pleine conversation RP, ce serait magique. Ouais, ça serait pas très RP. Oh merci Trapil. On voit, voilà, comme ça je mets quand même les alertes actives pour qu'on les voit. Merci Trapil. Mais je désactive le son. Bon sauf les fartes et tout. Par là-bas qu'il y a la musique, je crois. Ah, j'ai envie de rester en même temps. En même temps, bon. Avec la musique, ça m'emmerde. On va s'éloigner, on va peut-être aller du côté de Strawberry. En plus, le pub, il est trop beau là-bas. Il y a vachement de monde qui donne rendez-vous. Ton repas gratos, bah, c'est juste là où il y a la musique. Du coup, bah soit j'y vais, je prends un repas et je pars en courant. Soit je fais blablabla tout le temps, ou voilà. Mais c'est ce que je demandais à monsieur que j'ai oublié. Butch. Attendez, je vais sortir mon petit bloc-notes. Je sors mon petit bloc-notes parce que là, il me faut vraiment les infos. Parce que là, j'avais plus son nom. Il me semble que c'est monsieur Butch. Butch quelque chose. Tellement, par réflexe à cause du mémoire que j'ai fait. Quand je clique sur document, je vais automatiquement dans cours et mémoire. Au lieu d'aller dans stream et RP, voilà. Rencontre RP. Alors, c'était qui ce monsieur? C'était Butch Dream. Rose le Grand, c'était qui ça? C'était pas la gamine? Non. Ah mais il y a trop de roses. Rose Cole, Rose le Grand, Rosa Dixon. Super. Dont j'ai entendu parler mais que je l'ai pas rencontré. C'est le monsieur qui a dit à Denise qu'elle était pas fraîche. Tout à fait. Mais... Merci Trapil. Mais qui c'est tout ça, dis donc? Mais c'est beaucoup. En même temps, j'hésite, hein. J'ai pas bu d'eau. On va voir si on peut boire de l'eau ici, mais je pense pas.
Oh, peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette multitude de bits. Non, vraiment, merci. C'est vraiment beaucoup. Ah, si, je peux. Voilà. Et oui, parce que j'ai mangé. Bon, j'ai pris à manger. J'ai à manger sur moi. J'ai ma gourde qui est remplie, mais j'ai pas bu. Donc, autant... autant en profiter tant qu'on est là, hein. T'as bien bu. J'ai bien bu. T'as vu, bisou ? J'ai bien bu. Je peux pas la caresser. Mange tes bites, très bien. C'est pour voir où ça s'affiche. Ça s'affiche au niveau de LG Western. Pour pas que ça s'affiche en plein milieu de l'écran. Ah, il est cher le test quand même. Tu sais que tu peux tester avec 10, ça suffit. Merci beaucoup. Ou alors c'est ce que tu voulais faire et ça a ripé 10 000. Pas. 1000, pas 10 000. Je l'aime beaucoup, 1000. On va peut-être se laver aussi là. Ça sera fraîchir. Je crois que je peux ici. Je peux pas me rafraîchir. Ah si, je m'accroupis, je crois. Non, trop pas, hein. C'est pas grave, on ira se rafraîchir à Valentine. La map. Oh, bah, je suis loin. En même temps, bon, ces îles-là, j'irai, mais avec du monde. Je vais voir si elle est là, si elle est mise, et puis... Non, je vais pas mettre un point là. Comment j'enlève ? Balise. Supprimer la balise. Avec Z ? Bah, du coup, non, ça marche pas. Ça me fait avancer. Ouais, mais du coup, supprimer la balise. Si je mets W. Ah, c'est W, ok. Je vais mettre un petit repère là, comme ça on va voir si le cheval il y va tout seul. Comme ça on fera une petite vision cinématique. Ça s'affiche où? Et ça s'affichera. Attendez, je vous montre. Ça s'affichera en bas. Tu testes avec quelques-uns et puis si ça te plaît pas je déplace et hop tu retestes et... Plaisante évidemment. Plaisante beaucoup. Non, merci beaucoup. Bon, on va aller à Strawberry nous parce que bah il y a pas de la musique libre de droit à Blackwater, donc on va aller à un endroit où on risque pas d'avoir de se faire couper le sifflet par Twitch quoi. C'est con parce que j'aimerais bien, mais ça ce sera hors live. C'est un peu dommage. En même temps, c'est logique. À un moment, ils en parlaient. J'avais regardé un stream de Le Gros TV, du coup, celui qui a créé le serveur et qui le gère avec sa team. Hein. Il le gère pas du tout seul. Et justement, à un moment, il y en avait un qui parlait de faire des spectacles, que lui faisait un spectacle et qu'il avait. Il connaissait quelqu'un. Qui avait un des joueurs qui composait des musiques et tout ça et qui en avait fait exprès pour le serve. On se rembourser. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ah oui, du coup, voilà, il parlait un petit peu du problème de la musique libre de droit. Et il disait qu'il voulait en fait tout simple, enfin, qu'il voulait, oui c'est ça, qu'il voulait trouver un petit symbole pour indiquer sur, par exemple, les affiches, les journaux et tout ça, s'il y avait des musiques pas libres de droit qui seraient diffusées durant le spectacle. Genre un petit C et tout ça. Je sais pas si ça a été retenu comme idée, mais je crois que c'est même Le Gros TV qui disait ça. Parce que justement, il parlait du fait que c'est handicapant de pas pouvoir mettre pour une poignée de streamers des musiques libres, d'être obligé de se retenir au niveau des musiques pour penser aux streamers. Et il disait bah non, mais le mieux ce serait pouvoir les prévenir si, quand ils vont à un spectacle, il y aura des musiques libres de droit ou pas quoi. Je suis à plus de 400 et c'est vrai que t'es à vraiment beaucoup, largement plus. Je t'ai remercié beaucoup. On voit plus rien. Là je pense qu'on va arriver à Strawberry, là-bas non? Ah non, c'est pas tout de suite. On va être à gauche, puis on va monter à droite et puis là on y sera presque. Comment ça? Oh putain, y'a un ours. Je crois que j'ai entendu un autre. Oh, j'en ai aussi, moi. En même temps, j'ai envie de le voir, c'est ma curiosité.
on a des chevaux aussi. Ah non, c'est des chevaux ou chevaux là-bas. Attendez, mais... C'est quoi là-bas? C'est un cheval qui se roule sur le sol? Mais c'est trop mignon. T'as vu? Il me faut des jumelles. J'appelle. C'est rigolo. Il y a beaucoup plus de bêtes sauvages qu'avant. C'est peut-être lui que j'ai entendu tout à l'heure. Ça me fait peur. Pas du tout. Hein. Moi j'ai trop cru qu'on était vraiment très proche de son berry, mais en fait on n'y était pas encore. Encore. Oh quasi. Ici le télécourri. Attendez, faut que je m'équipe. Avant d'arriver dans la ville, je crois qu'il faut que. Voilà. En fait, faut que j'ai ça dans mon dos. Quand on a une arme sur soi, il faut qu'elle soit visible. On achète vite, ça comptait x2, quoi? Attends, t'as fait 100 et 1000, est-ce que t'as, est-ce que t'as vu 100 x 2 ou 1000 x 2? Ou alors c'est juste que t'as eu 100 et 1000 distinctement, quoi. Bonsoir. Hop là. Oh, le cheval est tout vénère. Celui-là. Bonjour messieurs. J'ai chanté sur la pirogue, c'était magnifique. Bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Bonjour. Où est-ce que je me gare hein? Gare est là déjà. Je vais voir ce qu'il y a à la boutique. Il fallait que je trouve des jumelles aussi parce que j'en ai toujours pas. C'est vrai que bah c'est quand même giga super trop pratique. Bonsoir monsieur. Alors. Je les ai fait du commerçant. Ouais, y a pas grand chose sinon. Te favoriser la vie. Écrit des outils pour te favoriser la vie en dessous de objets. Qu'est-ce que ça veut dire favoriser la vie en plus? Une petite photo. Ok. Vous avez pas grand chose aujourd'hui. Limite, je vais manger au saloon. Comme ça, on voit s'il y a du monde. Et du coup... Il y a une armurerie ici ou pas? On voit pas. Halt. Donc il y a des trucs pour te pourrir la vie. On dit faciliter la vie quoi, pour te favoriser.
n'est pas cette expression. J'ai eu trop. J'ai perdu. Ah, mais il est toujours aussi beau ce salon. Bonsoir messieurs. Alors. Et l'ambiance ici. Alors. Béni surprise. Ah oui, la vodka des neiges. Ah bah si, c'était peut-être ça que j'avais bu en fait. Parmentier de poisson, béni surprise, tibia l'orange. Ah, plein de trucs là par contre. Bouquet d'écrevisses, café meumeux, c'est trop mignon. Et petit gibier à l'orange, ce sera de façon un ragoût. Et voilà. Ah non, ah oui, non, j'ai plein de trucs, j'ai un porc au caramel et j'ai un gibier. Oh, un vrai gibier à l'orange. Ah oui, ça m'est remis à fond, c'est bien. Bien belle, s'il vous plaît. Une petite délirium, là. Couple of mean-looking bounty hunters blew through here not too long ago. C'est la vôtre. Well, shit. Sure. Je peux pas m'asseoir avec eux. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous, monsieur? Ah si, je peux. Oh merde! You wanna dust up? You got it. Excusez-moi. Damn you to hell! Attendez, je... Non! Oscar! On va très accueillant ici. Mais non mais... Oui, je vais remettre mon chapeau. Oh là, Esta. Je vais me mettre un peu éloigné au cas où je fais une connerie. Je vais faire ça en pleine ville. Oh là là, je me suis fait agresser. Alors, c'est ça. Vêtements. Hop là. Voilà. Nettoyer le bois. Hein? C'est pas nettoyer ma tronche, ça? C'est qui, ça, à votre avis? Je sais pas, je vois. Ah, c'est bon, j'ai le chapeau, vous inquiétez pas. Nettoyage en cours. Ça sert à quoi? Faire un pigé. Ah, voilà. Apparemment, j'ai nettoyé du bois. Elle a dit, est-ce qu'elle peut prendre son couteau et vous couper les poils de bain pour les mettre dans sa boîte et faire son costume de brise. Ah, yes. Yes, il va falloir que tu ors. Oula. Si tu veux vouloir tuer Grizzly, tu dois tuer Grizzly. Ah.
Attendez, c'est là-bas les fringues ? Y'a pas de... Ah, il fallait un saut, ben il n'y en avait pas. Mais ça pas avec les gens, ça saute dessus les gens, c'est pas fait exprès. Bonsoir, bonsoir. Limite, on ira au pire s'acheter des fringues à Saint-Denis, hein. Ça fait longtemps que je suis pas allée. C'est extérieur la ville, là, c'est bon. Mais ça va, ça va. Doudou, bijou, doudou. Ouais, doudou, j'ai dit. Jennifer Lopez, la fameuse chanteuse. Doudou, bijou. Bonsoir. Alors attendez. C'est ma map parce que. Non mais y'a pas de. Je crois que c'est que dans les armureries les lunettes. Enfin, il me semblait qu'on m'a dit que c'était dans une armurerie et y en a pas en fait. Et pareil, je voulais un saut, y'en a pas non plus. Donc on va peut-être. Je suis sûr d'aller à Valentine, genre. Ah bah y'a tout. En plus on verra peut-être Bébert. Je suis pas sûre mais bon. T'as tenté hein. Je vais mettre un point parce que quand même le fait que le cheval puisse me laisser faire des petites vues cinématiques c'est sympathique. Bonsoir monsieur. Prends ton chemin celui-ci. J'avais envie de leur parler mais je savais pas quoi dire. Alors, puisque j'aime bien son manteau blanc. Mais c'est pas grave, hein! Tu pars vite en besogne, Denise, mais j'ai fait exprès, ça va! J'ai vu, je pouvais m'asseoir, il y avait une chaise de libre. Bon bah, je pensais, bêtement, que ça me ferait m'asseoir sur cette chaise de libre. Hein? Dis donc. Alors bijou, tu connais plus ton chemin. Laisse-moi te guider. Voilà. Et là, j'appuie sur rien là. Là normalement c'est ok. Ah mais c'est con pour le resto, mais bon, on retournera. On retournera à... là-bas. On retournera à Blackwater dans la soirée. C'est juste que... J'aurais dû voir... Enfin voilà, avec la musique et tout ça, ça me saoule un petit peu. Enfin même si en fait c'est pas la musique qui me saoulait, hein, comme vous savez bien. C'est le fait de pas pouvoir y aller sans être sûr de pas avoir trop de soucis avec Twitch. Donc bon, je vais attendre que ça se calme, même si en vrai je trouve ça trop cool. Et j'ai oublié de vérifier s'il y avait des jumelles là-bas. Parce que, bah en fait, j'y pense pas vu que. Oh, petite bébête. Vu que c'est pas nécessaire la plupart du temps. Mais bon. En vrai, là, typiquement, à l'instant, enfin tout à l'heure, quand on a vu le cheval au loin, bah, j'aurais bien aimé avoir un petit. Des petites jumelles ou quand on voit des gens au loin, parfois ça peut être intéressant, quoi. Donc. Ça c'est un achat que j'aimerais et un saut, mais il y avait rien là franchement à Strawberry, c'était tout pourri, il y avait rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. À Valentine, et toi fait.
J'aime bien, ça fait... En fait, Valentine, c'est vraiment une ville... Une ville typique de l'imaginaire de... Des westerns, des films de western et compagnie, quoi. C'est vraiment le truc en plein milieu du désert. Il y a tout qui est parfaitement aligné avec une route au milieu et c'est tout. Après, le monsieur a bien aimé qu'il s'assoie dessus. Bah, en vrai, c'est pas lui qui s'est énervé vraiment. Hein. C'était son pote. Hein. Je pense que c'était plus de la jalousie de la part de l'autre qu'une manière de me dire que ce que je faisais, c'était mal, quoi. Je pense qu'en fait, il aurait fallu que je m'assoie sur les trois en même temps. Mais là, bon, seules certaines actrices ont ce potentiel-là. Ont ce savoir-faire-là. Pour ne pas créer de drama, quoi. Hein. Parce que bon, bah, forcément... Très du drame. Oh, on entend du bruit. On va peut-être voilà, garder un œil sur la route parce qu'on est quand même en pleine nuit, en pleine forêt. Oula. Bonsoir. J'ai zéro confiance. J'ai zéro confiance, je m'en vais. Bonsoir madame. Oh bonsoir. Qu'est-ce qui se passe madame? Ah bah je vois beaucoup de monde sur la route et... Non, non, mais allez-y, c'est juste un contrôle. Ah, d'accord. Oh. Ouais. Ça vient, sur Valentine. Oui, tout à fait. Allez-y, allez-y. Parce qu'au loin, on voit pas bien qui c'est, donc bon. Eh, shérif. T'inquiétez pas. Ça va, alors. Et qu'est-ce que vous contrôlez comme ça? Une charrette. Ah, d'accord. Ah oui, je la voyais pas du tout, la charrette. Voilà. Moi, je voyais juste beaucoup, beaucoup de chevaux et de gens arrêtés. Voilà, je vais vous laisser passer sur la gauche ou la droite, comme vous voulez, mais... Eh ben, je vais passer voilà. Sur la droite. Okay. Je vais éviter de vous marcher dessus quand même. Très bien. Oh là, pardon. Merci madame. Ah bah oui, demi-tour direct. J'ai peur moi. Double ration, vous avez mal compris. Ça fait beaucoup de monde. Il voulait dire double ration. C'est double ration, ouais. C'est-à-dire au lieu d'avoir une cuisse de grenouille, vous en aurez deux. Exceptionnel. Eh oui. C'est de la promo. Vous avez vu comment on a arrangé, monsieur? Mais en plus, c'est après, ça, vous chopez une grenouille des cuisses sur la jeu d'office, non? Bah oui, mais du coup, normalement, on fait deux clients, mais comme ça sera pour vous, on vous mettra juste les deux. Comme ça, nos shérifs seront bien remplis et pourront arrêter les malfrats. Avec deux cuisses? Ben oui. Ah, je voulais m'incruster, mais bon. Ils sont vraiment très nombreux et c'est que des shérifs. Non, bien sûr. C'est magnifique. Oh, j'aurais dû limite fuir, ça aurait fait un petit peu un suspense, j'aurais mort à Queen de loin, après ils auraient dit pourquoi vous avez fui, et j'aurais dit pourquoi vous étiez sur la route, c'est moi qui pose les questions. Après il m'aurait donné son étoile, le shérif, et voilà. 100% je partais en courant comme toi, ouais. Et c'était logique ma réaction en vrai. Et heureusement que c'est un shérif qui est venu me trouver, mais de toute façon c'était une personne avec une arme, même si c'était pas un shérif, je m'arrêtais. Imaginons, voilà, c'est sa manière de braquer, on va dire. Voilà. Je m'arrête quand même parce que bah, c'est le RP aussi, c'est-à-dire que si quelqu'un te dit de faire un truc, il a une arme à la main, toi t'as pas d'arme, bah même si on soit t'es à cheval, tu peux fuir, tu le fais quoi. Tandis que mon copain vient de passer vite fait chercher un truc à la cuisine en parlant de Soumecta dans son casque avec ses potes. Finalement, il n'a pas des conversations si différentes de celles que j'ai en live. Salut, bonne nuit nulle. J'ai fait en... J'appuie. Salut, bonne nuit nulle, comme ça va. Personne, hein. Pourquoi j'appuie? Moi aussi, je suis con, vu que personne peut m'entendre, ça sert à rien. Ah, la Denise.
quelle aventure. Ouais, parlant de Smecta. Ouais, ouais, bah là, il est passé, je sais pas, je vais en dire, en vrai, avec du Smecta. Une soirée d'enfer. Non, c'est pas ce qu'il a dit, mais j'imagine bien cette fin de phrase. Bonsoir, monsieur. Ça marche, Gweno, bonne nuit. Les oubis. Alors, tout va un peu de monde aussi à Valentine. Mais en vrai, Blackwater, bah, c'est là où il y avait aussi... Enfin, il y avait du monde partout, en fait, là. On va voir, hein. Là, je vois des chevaux. C'est bon signe. Nouvelle étale de soufre. Rigolo ça. Il nous en parlait, Bébito. Il nous vient parler. J'ai du mal à parler, moi, en parlant de ça. En parlant de parler, j'ai du mal à parler. Parlons de ça. Parlons-en. Entrez pour entrer. Oh. Bon, allez, bon. Hein? Mais je suis où là? L'armurerie, ça? Oh, pas du tout, hein. On n'est pas à l'armurerie, là, on est d'accord. Je suis où, moi? Je sais pas. Ah, je crois que c'est la mairie. C'est vrai, ça te plaît? Merci beaucoup, Trapine. Très gentil. Je me suis perdue. Vous en pouvez être là. Bonjour, messieurs. Mais oui, il est très cool, ce serveur. Je suis très contente, effectivement. Espace. Alors, est-ce qu'il... Pardon. Voilà. Hop là. On va refaire du coup. Espace. Et voilà. Alors, objet du commerçant. Pistolet, hein. Bah non, hein. Couteau, carabine, revolver, lasso. Munitions. Non. Non, bah non. Je vais demander aux gens où est-ce que je peux me trouver des jumelles. Tout pareil. C'est gentil. C'est cute. Sinon, je vais demander à ces gentlemen, hein. Comment le pédago. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Très bien, bonsoir. Bonsoir. Navré de vous déranger, je me demandais, est-ce que vous sauriez pas où je pourrais me trouver des jumelles par hasard? Parce qu'à chaque fois que j'en cherche, j'en trouve pas. Bah, pour être franc avec vous, je suis allé à Armadillo. Armadillo pour les avoir. Ah oui, ah d'accord. Donc c'est bien partout, en fait, qu'il y a une pénurie complètement de jumelles. Complètement. C'est fou, hein. Armadillo, je suis allé à contre-cœur. Oui, je suis encore jamais allé. C'est une trotte. Bah, ah, j'avais un petit, plus, oui. Petite trotte, et puis bon. Il y a tous les Mexicains là-bas. Quoi. Bah, c'est ça. Les Mexicains, je les déteste. Moi, j'ai pas de bien de problème, mais bon, je sais qu'il y a aussi, ouais. Y a aussi du monde qui peut attaquer, quoi. Ouais, bah, c'est pour... oui. Les Mexicains, ils m'ont volé là à l'entrée de Valentine il y a quelques jours. Ah, vous avez volé quoi? Tout? Une carabine, tout neuve en plus. Oh, terrible. Ah ouais, ouais. On peut dire attention, vraiment mauvais. J'écarte le cheval. Ah bah non. Vous écartez le cheval. Oh, mais ça refait du monde là, je n'ai pas bien vu. Vous êtes bien renseigné, vous, hein. Effectivement, il y a un peu de monde. Effectivement. N'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres. Merci. Très bien, bon bah ça sera pas tout de suite que j'en trouve un dans le coin, quoi. Et s'il était à Nesburg, je prends le... Ah, peut-être. Bien c'est une bonne idée. Du
Bon, merci beaucoup pour l'info, messieurs. Bah, de rien. Et une très très bonne soirée à vous. Merci, vous aussi. Mais merci, merci beaucoup. Oh, pardon, excusez-moi. Allez, joyeux mariage et longue vie à vous. Bah, j'espère bien. J'espère bien. Oui, joyeux mariage. Je fais une sieste de 2 minutes, je reviens. Allez, micro-sieste, ça requin. Gros pire, Armadillo. Il faut se décaler aussi, chérie. Si vous pourriez. Oh, mais ça joue du piano ici! Bonsoir, mesdames, bonsoir, monsieur! Ah, bonsoir! Installez-vous, bonsoir. C'est la fille! C'est toujours pas ouvert! C'est comme ça qu'on attire les clients! C'est normal! Monsieur le comté! Et femme, t'as un balai dans les mains! Tant que tu l'as pas dans le cul! S'il vous plaît, dame! Mais je pas veux alcoolo, pas avoir mal! Va voir les bécures! Eh bien, aimé, c'est très bon! C'est de quoi être très bon? J'ai bien aimé cette réponse. Je suis désolée. Ah, oh, je risque de me mettre un petit coup de pied. Et vous, vous risquez de me mettre un coup de bâton. Ça va faire une sacrée danse. Attendez, je vous suis. Voilà. Hop là! Je fais du limbo là. Allez, ça swing! C'est pas d'arthrose, pas des bulles. Vous feriez bien la circulation pour les chevaux. C'est mon futur projet. Comme quoi, hein, pas besoin de beaucoup d'équipement pour être ingénieux. Très peu suffit. Ah. On va swinguer, attention. Ah, vous savez vraiment bien jouer. Oui, je sais, merci madame. Bon, j'ai pas le balai pour danser aussi bien, mais... Non, 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 tu es célibataire. Je cherche à avoir des chicots. À mon âge, on n'a plus le temps pour manger. J'ai l'impression qu'il y a un message subliminal dans sa chanson. Je pense qu'il vous fait un appel de parole. Hein? Tu dis que la dame a pas de chicots? Non, c'est moi qui ai plus de chicots. De manger. On adore la soupe. On peut pas aller revoir les camarades. Elles sont fort sympathiques les paroles. Oui, j'improvise, c'est compliqué. Marie, pourquoi tu tiens ton balai à l'envers? C'est pour danser, ça se danse comme ça. Ah, je savais pas, je connaissais pas. Des cartouches, il avait un début. Ah, si, si. De bonne calvitie. Cartouche à toi. Moi je me prends quelques coups, mais... Moi chantez-moi. Non, toi faire juste... Moi chantez... C'est le rythme. Je chante, moi chanter, je chante comme un balai. Il avait des chicots. Je danse comme... Moi, allez, moi je pas chanter, moi... ok. Attendez, je vais faire une 16 minutes. Moi je suis assis sur le bas, attendre un verre. Je suis prêt à danser, mais je sais pas danser, ni chanter. Bonsoir, monsieur. Le soleil brille, la lune brille. 2 minutes, c'est ce qu'a dit son mec. Je préfère m'asseoir après un verre avec un bon verre de whisky. Mais cette plume sert pas de l'eau, parce que l'eau c'est pas bon, ça fait rouiller. Oui, c'est moi un whisky, c'est moi un whisky, c'est moi un whisky, whisky. C'est moi un whisky, c'est moi un whisky, whisky. C'est moi, c'est fini. Ah, vous êtes un ténor, vous. Saucisson. Putain, c'est moi, c'est fini. Oh. 1, 2, 1. J'ai mal au doigt. C'est parti. C'est moi un whisky. Alors, une fois, j'ai vu un jeune homme qui arrivait pas à se lever après avoir joué. Ah si si, moi je sais me lever, vous inquiétez pas madame, je suis pas assez sénile. Donnez-moi un peu de pesos, je peux boire une bière. Ouais, je vais mettre 20. Je veux un whisky. Il s'appelait Cartouche. J'arrive pas à m'arrêter. Cartouche. Ouais, ouais. Tu te rappelles, hein, Saint-Denis, ils avaient
Des boules avec des lumières magiques dedans. Avec l'électricité, comment ça s'appelle? J'ai pas demandé, monsieur. Moi, pas connaître. Les ans. Je sais, moi non plus, je sais pas. Allez, on retournera demain. Oui, de la lumière magique. Avec de l'électricité. C'était si moderne. On a pris 30 jours d'une dame. Oh, alors? Vous savez, à mon âge, je connaissais pas, vous voyez. Et alors, mais c'était sympathique? Ah oui, 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 oui. Bon, j'avais envie d'aller au popo, mais... Ça va pas avec la musique, mais... c'est pas grave, ça, vous savez. C'est une musique fort émouvante pour le propos, quoi. Oui, oui, oui. L'homme qui n'a pas pu faire sa crotte. Ouais. Quoi? Vous savez me faire rire, dame. Pareillement. Alors, vous faites quoi dans la vie, dame? Pas grand chose. Je erre beaucoup et je fais un peu de pêche, mais bon, ça rapporte pas bien, alors je cherche autre chose. On fait la même chose du coup. Ah, vous êtes pêcheur aussi? Pêcheur et pianiste. Je suis pêcheur et ramasseur de petites pépites d'or. Ah oui, alors ça rapporte un petit peu les pépites, on m'en avait parlé aussi. Mieux que le poisson. Bonsoir. D'ailleurs, c'est j'imagine, question. Oui. Le poisson que vous pêchez, vous le mangez ou vous le vendez? Ah, pour le moment, je fais que le vendre. Mais j'avais besoin. Mais vous le vendez où? Parce que nous, on est. On n'a pas les personnes qui. Enfin, on avait rendez-vous avec une acheteuse de poisson, vous savez. Oui. Qui a une étable. Mais elle n'est jamais venue. Ah oui, on m'avait parlé de d'une ferme. Oh, bon, mais à chaque fois, j'ai simplement vendu au petit marchand ambulant, enfin au petit marchand qui avait près de l'eau. Mais on m'avait parlé d'une ferme qui achetait du poisson. Je me demande si c'était pas. Non, un ranch, le ranch Parker, peut-être bien. Bonjour. Ah, peut-être, ranch Parker, vous l'éditeur. Je crois bien. On me parlait d'un ranch. Alors j'espère que je ne me trompe pas de ranch parce que je ne les connais pas bien encore. Oui, moi non plus. Viens. Vous êtes nouveau? Oui, tout à fait. Ah bah oui, je suis là depuis pas très longtemps aussi. Oh, d'ailleurs, mais c'est sympathique. D'ailleurs, si vous voulez, les célibataires aussi. Non, mais ça c'est très malaisant, Cartouche. Non, mais attendez. C'est pas comme ça qu'on fait. Écoutez, je comprends, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez, des fois, mieux vaut aller droit au but. Vous voyez? Et voilà. Et puis, en tout cas, sachez, madame, qu'il est très très riche. Oui, c'est ce qu'il disait dans sa chanson. Après, l'avantage, c'est qu'il est presque mort, donc vous aurez un héritage, je crois. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah ouais, je comprends ça. On m'a dit que j'étais une fleur fanée le jour de mon arrivée, alors bon... Ça vous dirait de boire un petit café? Allez, un petit café, ça vous dit? Allez, je vous invite, venez. C'est une très bonne... une très gentille offre. Alors, monsieur. Bonjour. Oh! Monsieur. Viens, monsieur. Ah, c'est peut-être par là, sinon. Ah, peut-être. Pour l'instant, je suis en train de faire. Alors, ça va du... Bon, j'ai l'impression que... Non, pour ceux qui n'ont pas... Ouais, là, je crois bien, oui. Ah, même pas... Hein. Pourtant, derrière lui, je vois des bouteilles. Hein. Alors, je voudrais deux cafés. S'il vous plaît. D'autres boissons. Il a pas de café. Il a rien du tout. Il a rien du tout, on est d'accord. On va au commerce à côté, venez. Parce que... Décidément. Mon copain là-bas, il vend du café. Hein. On va aller s'acheter son propre café maintenant. On va même plus se faire servir dans les saloons. Alors, le café. Bonjour, monsieur. C'est encore moi. Et bonjour. Non, je viens pas vous acheter des asticots ce coup-ci. Ah oui, un petit café. Ils sont à combien ici? Très bonne question, ma petite dame. Vous vendez que du café moulu? On va le mâcher. On va avoir les chicots un peu noirs. Du café à mâcher, c'est un nouveau concept, ça, j'aime bien. Ah, c'est... Oui, c'est... Vous aimez les framboises ou... Sinon... ou du lait de vache, ça vous dit? Alors, c'est un peu dommage quand on a un si beau saloon d'en être arrivé là, quoi. On va bientôt têter la pie de la vache. C'est compliqué tout ça. Alors, merci pour la vache. Attendez, ma petite dame, je vais vous donner. Ah, mais là, il m'a donné un tonneau de vache. Vous aimez beaucoup le lait, quoi. C'est presque ça. Elle est compliquée, cette ville. Ah, sinon, il y a peut-être un... Il y a peut-être un restaurant pas loin. Ah oui, voilà.
Merci beaucoup. Je vous en ai donné deux directement. Vous pouvez les prendre. Oh bah merci, c'est fort aimable. Mon grand-père me disait toujours, ne touche jamais une femme avant de la courtiser. Ah oui, bah sinon oui, c'est, oui, un peu, oui. C'est pas trop dans l'ordre. Vous savez l'avantage l'avantage d'avoir 2 mètres de haut, c'est qu'on peut voir des abrutis arriver derrière le comptoir. Regardez derrière vous. Ah, j'entends respirer. C'est encore les deux gens qui sont fermés. On va les laisser tranquilles, hein. Ils vont être un petit peu occupés. Qu'est-ce que vous faites à renifler le derge du vendeur, là? Pardon, moi je travaille ici, excusez-moi, on savait pas que vous étiez là. Eh oui, Cartouche, c'est l'avantage d'être grand, on doit arriver de loin. Moi, je savais pas être là, moi je travaille ici, moi nettoyer ici. Marie, viens. J'ai ramassé dans le tiroir, ouais, c'est bon, allez. Et oui, bah oui, il y a drôlement de choses dans ces tiroirs là. C'est chouette. Elle est fermée cette porte. Je vous jure, c'est jeune. Attendez, bougez pas, je vous offre autre chose. Il faut faire redescendre le lait avec... Avec un peu de grog. Non. Ah, non, dommage. Ah là, je vous le dépose ici. Oh bah merci. Attention, c'est pour madame, attention. Oui, oui, pas de soucis. Merci beaucoup. Merci hein, de votre... Au pire, je ferai... Voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment mal. Je t'en passe, allez, retourne au salon. C'est parti. Et vous avez déjà ramassé des pépites d'or? Eh non, pas encore. J'ai pas trouvé de seau la dernière fois que j'ai voulu en acheter. Ah bah justement, au petit magasin là. Là y'en a? D'accord. Parce que là où je suis allé, bah, on avait pas du tout. Ah d'accord. Mais oui, sinon y'a le restaurant aussi qui est pas très loin, mais je sais pas s'il y a Bébert. Je sais pas si vous connaissez Bébert, mais oui, c'est oui, un... Oui, je connais Bébert, oui. Ah oui. Bah il pourrait vous accompagner au piano. Ah, oui, ça peut être sympa. Mais faut que je révise mon texte. Ah oui, bah vraiment, c'est pour ça. Il pourrait aider au texte et vous avec votre doigté, vous pourriez jouer de la musique. Oui. Ça peut être sympa, oui. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de... Je réfléchissais, je suis un peu vieux. Oh, pas de soucis, quel est votre nom d'ailleurs? On ne s'est même pas présenté. Ah oui, moi je m'appelle Rick Owen, de la famille Owen. Owen. D'accord, ça s'écrit O-W-E-N, c'est ça? Exactement. On est une famille très... En fait, hier... Nombreuse. Attends, je vais t'expliquer. On est une confrérie, vous voyez? Ah oui. Oh, moi, je suis le frère du boss, hein. Je suis son grand frère, mais... Bah, j'ai un boss, quoi. J'ai un petit frère, quoi. C'est son grand frère, mais vous travaillez pour lui, c'est ça? On va dire ça comme ça. D'accord. Quand il est pas là, c'est moi qui gère, vous voyez? Oh! Oh, pardon! Ah, mais Chico! Oh non, quelle terrible première rencontre! Ça, c'est beau, l'amour! Ça va mieux. Ah, vous inquiétez pas, Chico Stone. Je suis vraiment, vraiment désolée. Ah, qu'est-ce que j'ai mal. C'est... Des fois, j'ai le coude qui part tout seul. Je vois ça. Je peux essayer. Je peux la vouloir. Ah, écoutez, si vous avez besoin de vous attirer le coude, nous, on appelle ça se stabiliser. Je me tire. C'est bon, on va les stabiliser. Voilà, c'est bon, tout est fait. Il paraît que j'ai remis les idées en place, mais bon, on n'a pas encore vu. Ouais, je me suis quand même pété la main, je veux pas vous dire. Oui, parfois je meurs quand on frappe. Ah, où est-ce qu'il y a une dame? Mais non, mais il y a toujours pas. De la dame. Mais il y a rien du tout ici. Je sais, excusez-moi, mais je suis encore en train de faire des stocks et j'ouvrirai quand j'aurai vraiment tous les soucis, stocks. Oh, pas de soucis, je ne savais pas que j'étais là. Elle vient d'avoir le saloon, donc elle est en train de... Vous qui venez de l'acquérir. D'accord, pas de soucis. Vous avez besoin de quoi comme change, pour boire? J'ai fait clic droit. Pour boire Oui, par exemple, je peux acheter du café moulu, c'est possible, d'avoir un café. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai comment ça dit, le café il viendra, mais je pense que il sera plus au niveau des restaurants. Et un whisky, c'est pour l'instant compliqué d'en faire parce que il y a une petite pénurie des alcools à 90 pour pouvoir faire un bon whisky. D'accord. Ça, ça se trompe, on a encore du whisky, hein, je peux.
Bah après, oui, là, parce que eux, ils ont encore des dedans, donc c'est le temps de remplir les stocks. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, évidemment, je pourrais venir jouer au piano tout de même. Mais oui, bien sûr, le piano est en libre service. Vous pouvez venir quand vous voulez pour ça. Très bien, très bien. Eh bien, ravi de vous avoir rencontré, en tout cas. Vous êtes, quel est votre nom? Alors, moi, je m'appelle Elisa Macbeth. Elisa Macbeth ou Magnès, j'ai pas bien entendu. Macbeth. Macbeth, pardon. Oui, y a pas de souci. Et vous, monsieur? Moi, c'est monsieur Vincent Grange, le maire adjoint. Ah, d'accord. Oh, bon, je vous avais pas entendu. Enchanté. Ah, bah, pourtant, j'ai pas changé de tenue. Ah, non, mais je crois que je vous avais simplement pas rencontré. J'ai rencontré plusieurs maires, mais pas beaucoup de maires adjoints. Vous êtes madame Duval. Il y a deux madame Duval ici, du coup. Tout à fait, tout à fait. Il y a une médecin ici aussi. Et il semblerait qu'on soit cousine. Ah, mais du coup, pour pas confondre, c'est quoi votre prénom, du coup? Denise Duval. Deuxième Duval, c'est la chef du cabinet, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est un très bon prénom. On s'ignorait, hein. On ne savait pas que... On ne se connaissait pas avant, mais bon, il s'avère qu'en croisant, la généalogie, on serait cousines. La main des petits. Oui, c'est fou, hein. En effet. Oui, oui, oui. Bon, ce que je te propose, Denise, on peut se tutoyer, hein. Ah oui, bien sûr. Je t'invite à faire une petite promenade. Allez, faisons une petite promenade. Allons voir un petit peu. Et puis on va laisser ces messieurs-dames travailler tranquillement. On va vous laisser. Merci beaucoup, en tout cas. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. J'ai oublié son nom déjà. Alors, faut que je retrouve ma belle-sœur et ma cartouche là. Ils sont où ces trois-là? Cartouche! Ah oui, d'accord. Et comment s'appelle la jeune fille? Ma belle-sœur. Ou femme, ça dépend. Femme! Ah oui. Cartouche! Femme! Non mais. Cartouche! Je crois qu'on vous observe. Attends. Ah! Ah, mais elle est là. Bonjour, Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah bonjour. Ah, ouais, bonjour. Je ne connais pas votre nom, pouvez-vous me dire votre nom? C'est Marie, comment ça? Oui, Marie, c'est vrai. Non. Ah, il vous appelle belle-sœur, il m'a dit. Mais. Comme ça. Marie. Ah, mais c'est ça, ah, bah ouais, mais vous savez, c'est. Il faut que se cacher depuis tout à l'heure, non, moi. Cartouche. Alors, est-ce voilà. Que je vois pas qu'on va aller. On va se tromberie. Et on revient ici. Bonne année, retour. D'accord. D'accord. Pas à oh, madame Arrête. Est-ce que vous désirez nous suivre à Stambéry? Oh bah pourquoi pas, j'en viens. Vous avez une monture ou je vous invite sur ma monture? J'ai mon petit bijou. Okay. Bah on monte à deux sur monture. Mais on peut faire que deux montures, hein. Ça sera plus rapide. Moi je prends cartouche. Attendez, je vais appeler mon cartouche. Oh, il est drôlement beau celui-là aussi. Merci. Oh, le grand cheval noir. Il est dirigé par un tout petit bonhomme ou une toute petite fille. Ah, oh bah oui. Il ressemble à Bijou. Je vous présente ma Ginette. Ginette. Enchanté, oui, Ginette. Voilà. Allez. Copine. Ils sont toujours agités quand ils arrivent, les chevaux. Oui, 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 oui. Il n'y a pas que les chevaux qui sont juste. Oui, c'est pas faux. Ah, attendez, j'ai ma petite. Sachant que bon, j'ai quand même mis une droite à votre ami. Oh, c'est pas grave. Pas de minutes. Non, ouais, c'est... Je suis enchantée de connaître la future femme de Monsieur Papy. Calmons-nous. C'est une amie pour l'instant, calmons-nous. On se presse pas. Oh, vous savez, les mariages, je connais ça, je sais pas si j'ai envie d'en refaire. Ah, moi aussi, j'ai une Ginette à l'époque, mais elle est décédée, donc du coup... Ah, c'était une autre jument, quoi. Non. Non, c'était une vraie personne, mais elle a jamais eu d'enfant, donc... Papy, tu peux parler un peu plus fort, je t'entends pas. Ah oui, on va parler un peu plus fort. Madame fait un monologue. Ah oui. Donc je disais, mon ex-Ginette, elle est décédée. Voilà, elle n'a pas jamais eu d'enfant. Oh, bah condoléances. Et elle est morte étouffée avec une côtelette de bœuf. Une côtelette de bœuf? Ah ouais. Elle s'est étouffée. Elle était bien grosse. Oui, très très grosse. Je suis pas la rentrée chez elle à chaque fois, c'était... Elle roulait. En pente, en pente à rouler, oui, c'est confirmé. Oh, c'est terrible. Ah, oui. Ah, c'est une sacrée Ginette. Elle a pas vécu longtemps. Oh, ouais, retour, elle a rien raté. Allez, let's go. On va à Stromberry, je vais vous apprendre un petit peu le métier de ramasseur de pépites. Mais oui, mais bon, là-bas, il y a tellement de monde. Je me dis, on peut se faire braquer facilement quand même. Non, on est à côté du chemin. Non, avec ma famille, vous savez, avec ma famille. Ah oui, quand on est entouré comme ça. Voilà. Avec moi, il n'y aura pas de soucis.
Et vous êtes dans quoi avec votre famille? Enfin, ils sont dans quoi eux? Ils sont comme vous, chercheurs d'or? Alors, non. Moi, c'est une particularité, vous voyez, moi je fais ça depuis que je suis tout gamin, hein. Mais sinon, pour mieux vous expliquer, attendez, j'ai une mouche dans l'œil, attendez. Voilà. Ah oui. Ah normal, on va vite. J'ai vraiment une mouche dans l'œil, attendez. Alors, Tout va bien? Qu'est-ce que je disais? Excusez-moi, vous savez, l'œil et le mouche, et c'est... Bon, oh oui, non mais, je comprends. Moi, les activités que je fais sont plus ou moins simples, vous voyez? Pêcher, oui. Ramasser des pépites d'or. Mais on va... Voilà. Il est fausse cartouche. Alors, il a une voix d'ours, un petit peu. Oui, c'est... Il est un peu simple, vous voyez, la lumière, elle s'allume pas très bien au plafond. Bon... Parfois, les gens comme ça, on les sous-estime aussi. On l'a recueilli étant tout petit, ses parents sont décédés, vous voyez. Enfin, voilà, c'est mon frère qui s'en occupait, donc... moi, je m'occupe de principalement de ça, mais aussi, à côté, nous vendons une potion multivitamine. Un jus de fruits. Un jus de fruits, mais fermenté depuis 40 ans, vous voyez. Oh. Voilà, c'est vraiment la potion qui vous revigore. Ça évite les problèmes d'arthrite et les problèmes de douleur et articulation. Et ça marche pour vous? Ah oui, je suis très performant, je crois. J'ai pas essayé encore. Enfin. Vous avez pas besoin, quoi. Ouais, bon. Et après, mon frère s'occupe d'une partie plus sombre du business. Oh, une potion mais noire. Non, là, c'est pas une potion, c'est vraiment un business un peu plus... Ah oui. Compliqué, vous voyez. Ah bah je comprends, mais bon... Après, oui, ici bon, aussi, faut savoir aussi trouver un business qui nous rapporte, hein, sinon on s'en sort pas. Vous avez compris. Ah, tout à fait. On a des relations un peu partout, vous voyez. C'est plutôt bien. Et, du coup, on se débrouille et on recrute. Et, on cherche des personnes qui seront volontaires pour faire partie de notre famille, vous voyez. Ah oui, je vois tout à fait. Et moi, je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous apprécie aussi. En plus, vous m'avez offert du pain et du lait. Oui, bon, c'est... Avant même de connaître mon prénom, c'est rare. C'est modeste, mais c'est... Voilà, c'est le petit geste que je peux faire. Je te mets... Oh, elle est vraiment... Waouh. Allez, on va accélérer. Elle devrait écrire vos textes quand vous faites du piano. Attention. Oui, c'est vrai. Oh, attention. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, il sort du salon, non? Ah oui. Ah, boire ou monter, il faut choisir. Ah oui, vraiment, il sort du salon. Ah. Ils vont se noyer dans une cloque. Glop, 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 qu'ils vont faire? C'est du neige! Vous avez déjà pris le train? Et non, pas encore! Pas encore! Mais on m'a dit que c'était fort sympathique! Je vous inviterai un jour à prendre le train! Ah bah oui, bah c'est fort aimable ça! Demain je dois y aller, mais je dois aller à Saint-Denis, vous savez, pour vendre mon poisson! Ah oui, vous allez sur l'étale! Ah oui, je pense qu'ils rachètent un peu plus cher, vous voyez! Ah oui? Si on sait vendre, ils rachètent plus cher. Et ça va, ça se vend un petit peu ou... Ah bah ça dépend de la quantité qu'on a. Parce que j'ai cru comprendre que la viande se vendait beaucoup plus, mais oui, moi je suis pas chasseuse. Là, moi non plus. J'ai essayé de chasser un renard avec une corde, vous voyez. Ah. Je suis pas vraiment doué. Ah oui, effectivement. Moi on m'a attrapé avec une corde une fois. Pourtant je ressemble pas à un renard. Ah ouais, un grizzly peut-être. Et il vous a regardé de travers ou pas? Je sais pas, il disait que c'était pour attraper son cheval, mais bon. Ah d'accord. C'est une technique de drague bizarre. Comment j'attrape cartouche quand tu n'écoutes pas? Ah, j'imagine un petit peu. vous avez remarqué la boue qu'il y a sous son corps? Oui, j'ai remarqué. Réfléchissez pas trop. voilà, il aime bien de temps en temps. Ah bah regardez, ils sont derrière nous. Wow! Ils ont déjà fait le tour du monde. Voilà. Oh. S'en fout, hein, ces deux-là. Vous savez que la fille est déjà mariée? Bah oui, si c'est votre belle-sœur, c'est qu'elle est mariée à votre frère. Et c'est ça, et Cartouche, c'est un acolyte. Oh. Un alcoolique. Un alcoolique.
J'adore les mots. Dans mon temps, on disait esclave, mais faut, on n'a plus le droit de le dire. Aujourd'hui, on dit l'arpège. Enfin, il travaille très bien, il protège très très bien le patron. Ça, c'est un stagiaire. Non, non, c'est le bras droit du patron. Ah oui, d'accord. Et mon bras droit, accessoirement. C'est votre homme de main, un petit peu. Oui, voilà, si j'ai dit... Cartouche, saute à la falaise, il va aller dans l'eau. Ah oui. Il comprend les choses de travers, vous voyez. Si tu vas te laver, il va se salir. C'est Cartouche, quoi. Il est adorable, hein, mais... Ah là là. J'ai essayé de lui montrer la ville aujourd'hui. Ah, il était heureux, le gamin. Il a vu le train, il a fait ultra rouge. Ah bah oui, ça doit être sympathique. Il avait des étoiles dans les yeux. Ouais. Wow. Ah, j'en ai vu la dernière fois, pourtant. Je vous fais descendre. Merci beaucoup. Voilà. Allez, ma Ginette, va manger de l'herbe. Alors. Voyons, va. Alors, et vous demandez où votre or? Venez moi. Hein. Allez, montrez-moi. Déjà, on va commencer par le début. Alors. Quand on a un seau, vous voyez, mais je vais vous en donner quoi. Un d'ailleurs. Ah, bougez est... pas, j'en ai un dans mon sac à dos. Voilà, un petit seau. Oh, d'accord. Prenez-le, je vais vous montrer d'accord. comment on exerce le métier. Oui, c'est parce que je n'ai jamais essayé. Apprend. Alors, venez moi. Je vais me pousser très souvent, près des zones... Vous voyez ces deux petites cascades, là? Oui, tout à fait. Souvent, le dépanneur se fait au milieu. Pourquoi? Parce que, une fois qu'il est posé, il va pas plus loin. On descend, venez. Alors, attention à votre robe, vous allez vous mouiller un petit peu. C'est le métier qui veut ça. Hein. C'est pas bien grave. Voilà. Bon, d'habitude, quand je vais à la pêche, j'ai une autre tenue, mais... Non, enfin, là-bas. Ah, allez, on se met dans l'eau. Oh, c'est froid. Voilà, normalement, vers là où je suis, ah oui, d'accord. Mettre votre seau dans l'eau. Et j'ai mouillé un petit peu. Je l'ai mouillé. Attention à votre maquillage. J'ai rempli mon seau. Ok, voilà. Maintenant, on sort de l'eau parce qu'on va faire un peu de casquette. Oui, vraiment, frère. Oui. Très souvent, près de... Près de... il devrait y avoir une table vers ici. Je la vois tout à fait. Ah, ok. Ah oui, donc parce que oui. Donc vous déposez l'eau, voilà. Et ensuite, vous allez au bout de la table, vers là où je suis à peu près. Et vous regardez votre seau. Et vous trouverez des pépites. Des fois un, des fois rien, des fois trois. Voilà. Ah, je pense que j'ai trouvé des tétards, mais pas de pépites. Ah. Alors, si vous n'avez pas de pépites, je vous invite à renouveler. D'accord. La chance, ensuite, on ira les vendre. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, mais attendez, faut que je vende votre seau. Ah non, gardez-le, vous inquiétez pas. Bon, venez, je vais vous montrer comment on les vend. Ah, où est-ce qu'on les vend? Oui, ça, je veux bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais. Alors. Mais en vrai, moi, on m'a rien dit, regardez, je suis rentré à cheval, ça allait. Hein. Ah là. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Denise. Bonjour. J'ai pas reconnu. Madame Denise? C'est moi. Comme Saint-Denis, mais avec un E. Oui, il vous a reconnu. Pas moi. Alors, je vous présente le petit marché de Strawberry. On a de la viande ici. Oui, très petit. Et alors, ici, la viande, j'avais vu, mais ça, j'avais pas vu. C'est là qu'on pèse les petites pépites d'or. Ah oui. Ah, d'accord. Et qu'on vend 10 cents. La pépite. Donc, si vous en avez 20, ah ça oui. vous fait 2$, ça va plus ou moins vite, ça va. Et vous trouvez en général des pépites tous les combien d'essais, vous savez ou pas? Ça dépend. En essai, je trouve des fois 3 x 3. Ah oui. Des fois 1 x 1. Ah non, on peut en trouver plusieurs, quoi. Oui, voilà, ça dépend. Des fois 2, des fois 3, des fois 1, et des fois rien. Ça peut arriver 2 ou 3 fois, mais sans plus. Ça semble plus rentable que la pêche, en effet. Oui, la pêche, il faut attendre longtemps avant que ça morde. Des fois, c'est des bouteilles d'eau. Est-ce que vous savez vendre vos bouteilles d'eau, d'ailleurs? Les bouteilles, j'en ai revendu à des... à des quelqu'un docteurs. Qui les... Qui après les revendait lui-même à une auberge. Enfin, un saloon, je crois. Il voulait racheter combien, ça dit Christian? Oh, je sais plus, pour la dizaine, il m'avait donné quelque chose comme 2$, je crois. Peut-être un peu moins. 2$ pour la dizaine, mais...
Ça fait combien ça? Parce que moi ici, on m'a racheté une bouteille 25 cents. La bouteille, ah oui. La bah après, bouteille. Après, c'était pour qu'il se fasse des sous aussi. Il m'a débadé à ce moment-là, donc bon, c'était. Ouais, si je peux mais il m'a dit, il m'a dit, vous pouvez les vendre directement au saloon. Et bon, bah, je lui ai. Je lui ai laissé les prendre, mais effectivement, je savais pas quoi en faire avant. Mais les docteurs aussi alors. Oui, oui, les docteurs, mais venez, on va aller le voir, on va y rendre visite. Après, je vais aller à l'hôtel et je vais aller me reposer. Et oui. Alors. Et vous, pour vos potions, enfin, votre frère, vous avez pas besoin de bouteilles par hasard? Ben moi j'ai des bouteilles évidemment, mais. Oui. Lui il a les siennes. Ah oui, je comprends. Voyez. Oula. Oula, oula, oula. On galope pas ici, jeune homme. Ah, tout à fait. Oh là là, c'est jeune. D'ailleurs, le docteur, hein, c'était de l'autre côté, je suis bête. Mais ce n'est pas le docteur. Oui, mais moi je vous suis, je vous dis rien. Mais vous voulez que je vous appelle Dame ou Denise? Oh, mais comme vous voulez. Certains m'appellent même Dédé, alors voyez, hein. Je suis pas bien bien dans le tatou. Non, Dédé, ça fait très masculin, je trouve. Comment allez-vous, jeune homme? Vous méritez pas ça. Très bien. Oh, mais c'est fort gentil, ça. Bah oui, bah oui. Je suis fort aimable. Ah, mais je vois bien, vous êtes très aimable. Avec un Z. Un Z, oui, oui, oui. Comme Zimbadi. C'est le poil de la bouffe. Bonjour, monsieur. Ah, je commence à fatiguer. Ça fait 3 jours que je dors pas. Ah oui. Alors, bon, il faudrait. Là, c'est là, ah, c'est ça... le fait d'arriver dans une nouvelle ville, c'est ça? C'est oui, oui, oui. Oh, bah, Lyon. Un petit homme. Ah, oui, oui. Ah, bah, le docteur, il est là. Parfait. Bonjour, monsieur le docteur. Rick Owen. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, écoutez, ça va très bien, vous-même. Mais bah, écoutez, je suis là, je vous apporte des bouteilles vides. Ah, les bouteilles, je crois qu'on en a plein. Mais sinon, certains saloons peuvent aussi en acheter. Ah oui, c'est... Oui, oui, oui. Quelqu'un est venu... Oula, on a quelqu'un dans le coin, donc il y a... Oula, il y a quelqu'un... Oula, excusez-moi, on a une intervention. Oh. Oh. Ah bah... Ah oui. Oh, bah... D'accord. Bon courage à vous, du coup. Au revoir. Désolé. Bon courage à vous, bonne fin de journée. Du coup, vous avez répondu pour les bouteilles? Non, pas vraiment. À l'heure actuelle, on n'en a pas besoin. Madame la médecin, oui, d'accord, très bien. Il y a quelqu'un qui arrive. Le gamin. Il y a quelqu'un qui est déjà sur place. Bon, bah alors. Ah, bah là, merci à vous, madame. Il est drôlement joli, ton choix. Bon, ben, en général, ils en prennent, mais je crois qu'on a... Ils m'en ont trop racheté. Oui, mais je pense que dans les salons, et en plus à Valentine, il y a un salon qui vient juste d'ouvrir et ils ont encore pas grand chose, alors peut-être qu'ils rachètent des bouteilles en vrai. Enfin, il y a le salon. Mais écoutez, on va y retourner si. Oh, bah après, si vous voulez aller vous coucher, hein. Ouais, je peux dormir à l'hôtel à Valentine, c'est pareil. Je demanderai à la patronne si elle a pas une petite chambre. Oui, c'est pas bête. Bah, en plus. Ouais, voilà. Oui, oui, oui. En plus, ils doivent avoir de la place, ils viennent juste d'ouvrir. Oui, bah, ouais. Enfin, s'ils ont des draps, évidemment, parce que. Ah oui. Oui, il y a même. Voyez, à mon âge, les petites dames, c'est compliqué, hein. Ah, mais bah, je comprends bien, moi aussi, hein. Je fais pas n'importe quoi non plus. Comme une fois, on m'a dit, si vous voulez, vous pouvez faire des sous en travaillant sur les chantiers. J'ai dit, vous m'avez bien vu. Ah, mais à votre âge, ah, mais non, mais je suis complètement fou. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Oh là. Allez. Bah, attendez, je vous suis. Vous attendez pas votre belle-sœur et Cartouche? Ah, je leur enverrai un télégramme. D'accord. Allez, c'est parti. Bon bah oups. Ouais. Faut que je regarde la carte, je sais pas parce que... Je suis un peu... Mais je comprends. Ouais. Si vous indiquez à votre cheval un endroit en particulier, après, il fait tout seul. Ah oui, c'est possible ça. Ouais. Il faut juste mettre une bonne vue. Avec un V. Et il fait tout seul. Ouais. Il a appris ça il y a pas longtemps, c'est très pratique. Ah, il faut regarder la carte, c'est ça? Oui. Ah, effectivement. Bon, il faut simplement indiquer à votre cheval avec la carte où aller. Et puis quand on part et qu'on met la bonne vue, et ben il fait tout seul. Mais bon. Je parle peut-être un peu fort, moi. Bon, ben ça veut pas, on va y aller à la main. Hein. C'est pas très loin. Oui, oui, oui. Après, on va galoper un petit peu. Et vous êtes là depuis combien de temps? Bon, je dirais, j'ai pris le bateau, je suis arrivé de l'Europe, parce que j'ai pris des vacances en Europe. Oh! Je suis arrivé ici en moins d'une semaine. Ah oui, bon, je vais à peu près comme moi. Oh, voilà, voilà. Vous étiez où en Europe?
J'étais en France, et ensuite en France, du coup. Ah bah je connais. Et j'ai fait un peu le tour, je suis allé à Berlin. Oh. C'est dans le nord de, la, de l'Europe, et après, ben, un manque de moyens, je suis revenu ici. Ah bah ça, ça reste tout de même un bon voyage. On m'a viré du pays, vous voyez. Ah. Mon visa n'était pas... Vous avez mis dehors. Des dehors tensions de entre pays et pas entre pays, semblerait-il. Mon perso, elle a 56 ans. De voies ferrées, voyez. Ah oui, je toujours vous la avez... même chose. Bon, ça, ça fait tout de même une expérience, mais bon. Ah bah, j'ai pris le bateau, oui. Ah, vous l'avez. J'avais pas ma canne à pêche. Je me l'avais saisi à la douane, voyez. ils ont une douane là-bas. Vous savez ce que c'est une douane? C'est des polices, comme chez nous. Oui, oui, contrôle. Oui, voilà, les contrôles, oui. Oui, oui, il me semble que j'en avais vu une quand j'étais petite et que je suis arrivée, mais bon, ça fait bien longtemps. Il paraît qu'ils sont très, très, très bien payés. Ah oui? Il paraît, hein. Ah, moi, je veux pas savoir pourquoi ils sont bien payés. C'est parce qu'ils te taxent tes affaires. Et ils se payent eux-mêmes. Eh oui. On vous a pris vos affaires. Ouais, bah ma canne à pêche et mon chapeau. Ah oui. Mon ex-chapeau, il y avait mes sous dedans. Ah! Vous savez, je suis un peu la vieille. Vous mettiez vos sous dans vos chapeaux? Et oui, exactement. C'est pas très commun. Bah, en fait, quand je tire mon chapeau à une dame, elle voit mes sous tomber. Vous voyez? D'accord. Ah oui, c'est une mais technique. Ça a jamais marché. Mes sous, je les revoyais plus. Elle bah, très ça risque un peu de tomber partout. Oui. D'abord. C'est fou quand on est jeune, on va tellement vite pour ramasser des pièces. Ah oui, quand on a les lombaires en forme, hein. Ah, ça, c'est... C'est pas un truc qui me manque. C'est bien Richard, que... tu m'étonnes. Je vois tout à fait. Et votre frère, il est dans quoi, du coup? On va essayer de s'informer un peu. Mon frère, il est... En fait, comme je viens de le retrouver, j'ai appris que c'était marié à la Marie, là. Ah oui, bah oui. Mais toujours pas d'enfant, mais bon, la Marie... sympathique, est... tous les deux. Elle est jeunette, quand même, hein, elle est... On n'a pas de torche. Merci, la lune, de nous éclairer. Oui, oui, parce que avec le brouillard, la lune. Ouais, le cheval connaît. Par contre, c'est pas le moment de croiser un grizzly, quoi. Non, c'est sûr. Vous voulez qu'on galope un peu plus vite? Oh, bah, comme vous voulez. Allez, ma Ginette, oui, hein. Si la Ginette n'est pas fatiguée. Allez, Ginette, tu peux le faire. Allez. Ah là là. C'est bien, ma Ginette. T'auras une carotte. Ou une pomme. De l'eau. Et de l'herbe. Ah, c'est bien ça, c'est gratuit. Oui, parce que les carottes, non. Hein. Et puis ça se trouve pas dans la nature. Non, c'est vrai. J'ai ramassé de la menthe, mais elle n'en veut pas. Pourtant, ça donne bonne haleine. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous connaissez le truc. En Europe, ils se servent de ça pour sortir bon de la gueule. Non, mais c'est pas une plaisanterie, madame. C'est vrai. Ah, j'ai oui. essayé, pour moi, ça me pique la bouche. J'ai le chicot. Ah bah sinon on fait tremper ça dans de l'eau chaude. Ah oh, très très bonne idée ça. Eh oui, bon ça, ils font ça les Anglais. Ça c'est pas mal, j'essayerai. Mais bon, faut pas se brûler la bouche. Ah ça, si je sais pas cuire de l'eau, c'est que je suis vraiment sénile. Ah parfois, hein. Faut pas sous-estimer la difficulté que ça peut représenter. Oui, ça, je vous confirme. D'ailleurs, j'ai voulu faire un feu de camp. Mais j'avais pas d'allumette. Ah oui. Lui, être un natif. Alors, on va... On va aller à Padoue. Oui. Waban. Eux me dire... Attendez, on va voir, parce que... Oui. Lui, est beaucoup village de la fraise. Oui. Non, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oh. T'as le temps qu'à crier. Oh, bon la Ginette elle est fatiguée. Ginette, calme toi. Voilà ma Ginette. Et voilà. On l'a fait coincer. Et vous voilà. Vous tourner. Ah. On va aller au saloon. On va aller voir la patronne. Eh ben oui. Attention! Désolé! Il faut regarder quand on traverse! Je suis excusé, madame, j'ai regardé ma belle amie. M'a un petit peu perturbé.
Je me sens tout jeune aujourd'hui. Salut Loïs. Demain j'aurai un pied dans la tombe. Oh bah non, faut pas dire ça. Vous avez encore tant d'énergie. J'espère bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes performant en plus. Oh là là. Ah. Oh, y'a drôlement du monde là-bas. T'as encore une mouche dans l'œil, merde. Qu'est-ce que sont ces mouches? Bah dis-donc, vous attirez les mouches, vous avez du fromage dans les poches. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est des nouveaux nous. Oula. Allô. Patron. On sait qu'elle est toujours là. Elisa. Tu ne vends pas de whisky, Elisa. Faudrait vous mettre au piano, là. Je crois bien. Ah, on va aller voir. Bah, j'ai fait un boucan du diable, attends. On retourne aux origines, là où on s'est croisés. Exactement, on va faire un boucan monstre. Ça, c'est une boucle. J'espère que ça va attirer Lisa, on va se dire à des clients. 3, 2, 3, 2, 3, 4. On va danser. Elisa qui a abandonné son bar. Ça nous est vite, et nous on est là, comme des abrutis. Y'a rien à boire, c'est très sympa. On a le gosier tout sec. Et on joue de la musique dans l'air. Je vais regarder ma bourse, voir si j'ai encore des pièces. Vous pouvez faire ça en même temps que vous jouez. Zone mon fort. J'en regarde avec l'œil. Oui, je vois, c'est plus pratique. Oula. Ok. On ne comprend pas si ma compagne est chasseuse de mon temps. Elle fait des moves là, la Denise là. Voilà. Bon, Lisa n'est pas là. Hey, Lisa. Patron. J'ai la voix qui porte, hein. Ah là là, zut. Décidément ce soir, y'a rien qui fonctionne. Ah, c'est pas bien grave. On aura fait un tour fort sympathique. Oui. Mais faudra prévenir vos amis que vous êtes ici. Je vais leur envoyer le télégramme, c'est pas un souci. Je pensais changer mon pantalon. Ah oui. Oui. Mais j'ai pas quoi m'acheter. Oh, on verra bien. Ah, il est sympathique en tout cas. Oui. Je vais squatter, vu qu'il a pas tant n'est pas là, je vais squatter. On m'avait dit qu'il y avait des carrioles hantées ici. Ah oui. Eh ben c'est vrai. C'est spécial. C'est la première fois que je vois ça. Ça va faire des sensations quand même. Vous avez remarqué, on a découvert encore une chose ensemble. Ah oui. Je crois qu'on est fait pour être ensemble. En tout cas, je serais ravi de vous revoir. Eh ben écoutez, se revoir. Je pense que je vais dormir toute la nuit, toute la journée. Oui. Demain 20h, ça vous va? Oh, je serai là un petit peu plus tard. Ah ben, je vous attendrai. Mais vous inquiétez pas, j'enverrai un petit télégramme. Ah ben super. Vous avez un petit calepin pour noter. Ah oui. Renoter mon prénom au cas où, parce que le trou de mémoire, ça va à notre âge. C'est CK à la fin, c'est ça? CK, oui. Oui, c'est noté. Ah non, attendez, non, je vous dis des bêtises. Eric, c'est sans K, c'est R-I-C-H. C'est H. Ah oui, pardon. D'accord, très bien. Oui. Voilà. Bon, c'est parfait. Allez, je vais aller trouver un dessous de maison et je vais me pioter. Ça marche. Depuis une seconde, monsieur. Oui, monsieur. Écoutez, je viens d'arriver à la gare de Valentine il y a deux heures désormais. Et je vous avoue que je suis un petit peu perdu. Du coup, j'essaye de prendre conseil auprès de plusieurs personnes. Vous voulez savoir quoi comme conseil? Bah écoutez, je vais vous raconter un petit peu ce que je sais faire déjà, ça pourrait peut-être vous aiguiller. Oui. Voilà, je suis
suis un Texan qui a vécu quelques années à Londres, où j'ai monté plusieurs commerces de saloon, d'armurerie, ah, etc. Ah, vous aussi, vous êtes en Europe? Oula. Non, je suis Texan à l'origine, mais j'ai vécu longtemps à Londres. C'est pour plusieurs études, j'ai exploité plusieurs commerces là-bas, comme des saloons, des armureries. Faites plus court, monsieur, je suis vraiment fatigué. Ah, je vais pas vous le dire, j'ai 79 ans, je suis un petit peu fatigué. Excusez-moi, bah, du coup, je suis spécialisé dans le commerce, dans la gestion des commerces et tout ça. Ouais. Vous pourriez m'aiguiller dans quoi pour commencer Vous avez. Nous, alors c'est simple, nous, moi et mon ami Denis. D'accord, enchanté madame. On vit de la pêche et de ramassage de pépites d'or. Oui. Très bien. Derrière, il faut quand même revendre, voyez. Je vois. Donc, ça nous fait pas mal de. Nous, dans notre famille, alors moi, je me présente, je m'appelle Rick Owen. Enchanté, monsieur Owen. Je suis le frère du. Bonjour. Du chef. Bonjour. John Owen, du coup. Notre famille est très, très grande. Nous sommes une confrérie, voilà. Une confrérie, donc si. Déjà, si. Vous recherchez une confrérie, pensez aux Owen. Ah, très peu pour moi. Et ça vous débloquera des opportunités très, très lucratives, voyez. Je vois, très bien. Je prends note de tout ça, vous inquiétez pas. Je vais vous donner mon... prenez de quoi écrire sur un petit calepin. Oh, allez-y, j'ai une bonne mémoire, vous inquiétez pas. Du coup, Rick. Rick, mais d'accord, avec un CH. Non, CH. D'accord, CH, donc... Ah oui. Rick l'allemand, Owen. Donc. Très bien. Et monsieur Owen. Oh, voilà, oh, de vous. Voilà, tout à fait. Mais écoutez, c'est le. Vous m'envoyez un petit télégramme, je vous répondrai. C'est quoi votre petit prénom, du coup? Salut, femme. Monsieur Holm. Klaus. Vous pouvez m'appeler Klaus. Holm. Appelez-moi Holm. H-O-L-M. Et Klaus. Klaus, K-L-A-U-S. Tout simplement. K-L-A-U-S. Ok. C'est ça. Très très bien, c'est noté. Je vous enverrai un petit télégramme demain à partir de 20h. Ok, très bien. Vous pensez être toujours en ville vers minuit parce que je risque de pas être là avant. Vers minuit. Je pense que oui. D'accord, parfait. J'ai fait une erreur de ouf. Je serai là mardi minuit, mais je suis sûr aussi. Très bien. Merci pour ces bons conseils, monsieur. Il n'y a pas de quoi, monsieur, mon brave. Et si vous devez pêcher, il vous faudra une canne à pêche. Des cannes à pêche et pour aller ramasser des pépites d'or, un seau. Oh, pardon. Allez-y. Vous pouvez tout acheter dans le magasin derrière vous, juste à côté du salon. Excusez-moi, les seigneurs. Voilà. Je voulais savoir, vous savez oui, c'est monsieur. Qui est le propriétaire du store? C'est mal du store, non, je sais pas. Ah non. Demandez au caissier, il va vous le dire. Dans le store. Le salon, je sais que c'est Elisa. Ici, c'est Elisa, mais là-bas, je sais pas. Ouais, trop. Ouais, me connecter, ouais, c'est juste dans. Là, ça arrive, hein, c'est terrible. Non, apparemment, elle a repris aujourd'hui, du coup, oui. Il faudra attendre quelques jours pour avoir un. Mais c'est intéressant. Du whisky. Vous avez. Un petit verre de whisky. Par contre, vous avez un restaurant ici, si vous avez besoin de manger, oui, n'hésitez pas à y aller. J'ai été faire un tour, c'est très bien. Mais du coup, c'est très intéressant ce que vous venez de me dire. Oui. Après, je sais pas plus. Oui, c'est fort possible, parce qu'ils ont des soucis à se procurer de l'alcool à 90, ils nous disaient. Eh bah très bien, bah écoutez, voilà. C'est très intéressant, je vais pouvoir vous proposer mon aide. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Mon expérience. Écoutez, bon courage à vous. Bon courage à vous. Bon courage à vous et très bonne soirée. N'hésitez pas à utiliser le télégramme pour nous dire si vous avez des soucis, des questions. Moi, c'est Denise Duval. Denise Duval, très bien. Comme ça s'écrit. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Bah, je vous enverrai le télégramme si j'ai besoin. Je vais à l'église, là-bas ils sont bon courage à vous. Et bon courage aussi, au revoir. Très bonne soirée, Denise. Des gros bisous. Oui. Moi je vais à l'église, là, je vais aller voir le curé pour qu'il me donne un nid. D'accord. Bon courage et bon nid. Très bonne soirée. Merci. Très bonne soirée à vous, merci. Je suis tellement heureux. Ah. Oh là là, les gars. Et moi, dis donc, il pleut des cordes. Moi, je vais rester à l'intérieur pour le moment. Hein. Oh là là. Ouais, me connecter à... J'avais pas trop fait d'erreur jusqu'à présent à ce niveau-là, mais si, ça m'est arrivé. Oui, y'a pas de signe d'alerte pour le RP. C'est dans la sambée qui boit un coup, il pleut en plus. J'irais bien au restaurant, mais bon, pas tout de suite. Ah ouais, on fait chier à faire des décrets pour au final, Karin Kara, là. Putain, c'est un truc de fou. Hein. C'est la petite ville. Comme ça. Oh,
Elle est cassée. Ah j'ai pas. Mais c'est pas moi, c'est l'orage. Vous savez où sont les propriétaires du salon? Eh ben non, nous les cherchions, on les a vus il y a pas très très longtemps. Ah. Mais elle était ici, ça s'appelle Elise. Mais mais là, bah justement, on voulait lui parler pour lui proposer quelque chose, mais on l'a pas trouvé. Ah. Peut-être que les shérifs seront, mais c'est juste qu'il y avait tellement de bazar que j'osais pas aller les déranger. Oui, et bah oui. Il se passe beaucoup de choses là ce soir. Eh oui. Ah, il a l'air d'avoir du remue-ménage. Ah oui, dis donc. C'est impressionnant. Ah bah il y a des joueurs comme ça. Il semblerait. Vous êtes dans quoi, vous? Le tabac. Dans le tabac. Ah, d'accord. Ok, ok. Oui. J'aime bien votre tenue, elles sont fort sympathiques. Pas que t'es pas d'accord. Merci. Pablo. Je me demande si je vous ai pas croisé, monsieur. Il y a un petit moment. C'est possible, oui. Ah, c'est déjà croisé à Blackwater. Ah oui, ça devait être à Blackwater, tout à fait, je reconnais votre voix aussi. Eh oui. Eh oui, je crois que mon cheval avait en plus fait des bêtises. Attends, je vais rentrer dedans parce impossible. Qu'on s'en parle pas, il y a trop d'orage. Bah oui, je me mets à l'intérieur pour que l'orage un petit peu, voilà, pour ne pas entendre l'orage parce qu'il c'est un orage, donc c'est du bruit. J'ai mal à la tête. Ah oui, hein. Et ça va, vous vous entendez avec le tabac? Oui, ça va, petit à petit. Bah on essaye de faire un peu de faire un peu de pub à gauche et à droite, quoi. Oui. Et quand même pas, franchement. Et vous travaillez que tous les deux? Tu peux couper ta moustache, là-bas. D'accord. Donc oui, on a une étale sur Saint-Denis. Ah oui. Oh bah je pense que oui, je pense que j'avais vu. D'accord. Oh. C'était vous. Oui, c'est. Get smoking. Aïe 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 aïe, il est allemand. Ça va mieux. Et quels sont vos noms? Comment? Moi c'est Johnny. Rose. Ah, Lily Rose. Et Johnny. Oui, oui c'est ça. Fred. On est frères et sœurs. Oh mais oui, effectivement. Effectivement. Oui. Mais oui, c'est bon, je me rappelle. Et vous, on s'était vu avec Miss Emerald. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui était, bah, qui était pas très Emerald. Oui. Tout à fait. Et moi, c'est Denise Duval. D'accord, très bien. Faut que j'essaye d'enregistrer dans ma tête. Ah oui, bah, c'est pas facile. Mais hein. Vous faites quoi, du coup vous? Je regardais un petit peu pour faire des sous avec de l'or, parce que je pêchais, mais la pêche n'est pas ce qu'il y a de plus lucratif. Oh, ça rapporte quand même un petit peu. Bon, on va dire que ça m'a permis d'avoir un cheval, etc. Donc oui, mais bon, oui. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus, je dirais d'un petit peu qui rapporte un petit peu plus, je ne dis pas non. Oui, oui. Et ça va le tabac, vous en sortez? Oui, ça va. Bah, c'est beaucoup de travail. Hein. Ah oui, ça a l'air. Hein. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. C'est fatigant. Ah bah oui. Et ça va, vous êtes encore fringant. Mais oui. Non, mais on cherche aussi pour engager des gens, parce que le but c'est de faire travailler tout le monde aussi. D'accord, bah je note ça. Je me renseigne un petit peu aussi, à force. Savoir, bah voilà, les petites industries qui sont en plein essor. Eh oui. Oui, c'est à peu près, on peut faire du 10$, c'est ça, 10$ de l'heure, je crois. Ah oui. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est intéressant. Oui. Et vous faites et cigarettes ou alors vous vendez simplement oui, le tabac? Cigarettes et pipes. Ah, j'ai croisé une petite qui voulait m'en vendre. Ah oui? Oui. Miss Rose. Tout à fait. Oui, on l'a déjà croisé. Oui. Mais bon, j'avais pas encore ce qu'il fallait sur moi. Ah, faut dire que bon, cigarettes, c'est un produit de luxe. Mais oui. Bah oui. Ah là là. Bon, oui, on va retourner sur. Oui. Oui, n'hésitez pas à demander peut-être au shérif, ils sauront peut-être vous dire où est Elise, elle était avec l'adjoint du maire. Donc si vous savez où est l'adjoint du maire, il pourra vous dire aussi. C'est qui l'adjoint du maire? Je ne sais plus. Je crois que j'ai pas retenu son nom. Mais il est adjoint. Eh ben on vous remercie toujours. Eh ben merci à vous, j'ai vu une conversation intéressante et puis à la prochaine alors. Bon courage, bonne soirée. Bon. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Je vais peut-être me mettre quelque part pour arrêter la première VOD de la soirée. Parce que là, on a fait un petit chapitre. Oh, mais il y a toujours vraiment de. Drôlement de l'orage. On va y aller tout de suite. Hop là. Me connecter. Faut que je fasse gaffe. Hein. J'ai dit connecter tout à l'heure. Bon, ça. Voilà. C'est la première fois que ça m'arrive, mais vraiment, faut que je fasse gaffe. Au revoir, des bisous. À la prochaine, tout de suite.